Ah. Bienvenue sur Télé Éternel, toujours en cette fin du lundi 22 les flics. Lundi 22 accordé en la mineur aujourd'hui c'était. Donc bienvenue sur Télé Éternel, BST du CGT. En cette veille de pleine lune de ciel Montmardi de l'an de grâce 2018. Lundi où le sens si ça tord. Oh putain, j'ai le dos grippé là. C'est l'absinthe comme dégrippant, mais pour l'instant j'ai mal au dos toujours pareil. J'ai grippé là. Putain, je fous rien pendant un an et d'un coup je fais un truc. C'est bon, je suis mort. Ah, je crois que je vais bosser sur la 106. Sur le 106 à tort. Lundi où. Incroyable. Tant. C'est comme Termine a raison qu'il a pas tort, c'est 106 à tort qu'il a raison. Voilà. Modèle 92 en fait, je me suis trompé. Alors la question de la cinquième prophétie. Alors c'est normal parce qu'il faut calculer à l'envers, on a parlé de ça cet après-midi. Comment qu'on bricolait la bagnole. Changer le pont arrière quand même. Et puis démonter le réservoir pour changer les durites. Putain de système de malade. Il y a tout qui était dur à enlever, il y a tout qui était dur à remettre, parce que quand t'es par terre, t'as pas le pont, on n'est pas à feu vert. Bon, j'ai la veste, je sais pas si c'est marqué. La patte de l'expert. Qui est dans le dos. Donc, tout ça pour dire quoi? J'ai dit, oui, mais ça marche que 9 fois sur 10. Elle me dit, c'est normal, ça dépend du mois que t'es né. Enfin, ça dépend de... Ah bon? Oui, mais quand même... Comme tout marche à l'envers cette planète. Est-ce bien raisonnable? C'est l'espace-temps à l'envers. Le compte à rebours à l'envers. Tu soustrais. Et où t'obtiens ton âge, où t'obtiens ton année de naissance. C'est pas ça qui était compliqué, c'est qu'après on a développé là où c'est intéressant. Par exemple, le mec qui est né le 31 décembre à minuit. Comment que ça va se faire à calculer? Ok, vous ne comprenez pas, moi non plus, d'ailleurs, c'est normal. Bon, et après, quand c'est une année bissextile, comment ça va marcher? Quel est le prénom du mec qui est né le 29 février? Peut-être là, une réponse, elle dit, Michel Morgan, elle était du 29 février. Ah bon? Mais j'ai dit, mais c'est la Saint quoi? Et Christian m'a dit, c'est la sainte personne, ouais, il n'y a qu'à dire la sainte personne finalement. Et Tata m'a dit, non, je ne sais pas, il n'y a pas de fête non plus. Comment il s'appelle celui qui est né le 29 février? De quelle année il est le mec qui naît le 31 décembre et qui fait ouin à minuit pile? Non, c'est comme des questions existentielles, mais c'est gentil. Il n'y a pas Star Knight là. Il marche le Star Knight. Je sais pas les gars. Alors peut-être qu'avec les 3 ronds que je vais gagner, je vais reprendre une caméra d'occasion à cache converteur. Mais je voulais graver mes CD. Puis il me faut une paire de pompes à 8 euros et un jean à 8 euros. Alors tu parles, en 2 secondes il n'y aura encore plus rien. Mais au moins celui-là je l'aurais fièrement gagné. Pas travailler pour un patron, travailler pour un ami. Puis avant 2000 qu'on se connaît. On a bossé longtemps ensemble. Lui était au bar, c'est lui qui me murgeait. Genre. Et il m'appelle alcool. Voilà, c'est rigolo. Et disons, l'absinthe, elle frappe. Elle fait 70 volts. J'ai voulu le mettre comme dégrippant, mais. C'est le lab, c'est le labo. Sainte. Oh. Tous les poètes prennent de l'absinthe. Et du coup, j'ai rien bu de la journée. En fait, j'ai bu 2 verres de rosé, là, en mangeant ce soir, et une bière dans toute l'après-midi. Ça va? Et oui, c'est envoyé spatial pour Télé Éternel. À vous, cognac, j'ai pas. Cognac, j'ai pas. Mais j'ai du rosé, et je l'ai mis au frais, sinon c'est un glaçon. Julia, attendez-moi. Voilà, les nouvelles du front. D'ailleurs, je suis de crado, là, faut que je mette un coup de gant, encore du cambouis partout. Bisous, monsieur Vincent, bisous.